Bonjour à tous. Bienvenue dans cette méditation pour vous rendre dans un autre univers. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous accompagner à voyager aussi longtemps que vous le souhaitez, où vous le souhaitez, avec qui vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous utiliserons la technique du pêcheur. Une technique mystérieuse qui donnera de très bons résultats avec un peu de pratique. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même et continuez de vous entraîner, ça en vaut la peine. D'ailleurs, écouter cette méditation pendant la nuit, après vous être endormi quelques heures, donnera d'encore meilleurs résultats. Avant de commencer, prenez le temps de vous mettre dans une position confortable. Prenez l'habitude d'aérer la pièce avant de vous coucher ou de laisser les fenêtres ouvertes si le calme vous le permet. La technique du pêcheur fonctionnera particulièrement bien avec les esprits créatifs. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui regorgent également de créativité. Nous allons commencer par détendre notre corps et notre esprit grâce à un exercice de respiration que j'utilise personnellement tous les soirs pour m'aider à m'endormir plus facilement. Pour ceux d'entre vous qui s'endormiraient trop facilement après l'exercice, n'hésitez pas à respirer simplement profondément la prochaine fois. Prenez une grande inspiration. Bloquez l'air un instant. Relâchez tout en laissant un peu d'air dans vos poumons. Prenez une nouvelle inspiration en gonflant au maximum. Retenez l'air un instant, relâchez tout en gardant encore plus d'air que lors de la respiration précédente. Prenez encore une grande inspiration, comme si vous vouliez noyer vos poumons et votre cerveau d'oxygène. Au maximum, relâchez calmement tout l'air que vous avez respiré. Vous devriez sentir une sensation de légèreté vous envahir le corps. À présent, fermez les yeux pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, puis concentrez-vous sur le noir devant vos yeux. Vous êtes un pêcheur, vos yeux sont la canne à pêche et les images sont les poissons. Lorsque vous pêchez, vous devez vous munir de patience et rester attentif à ce qui pourrait mordre votre hameçon. C'est exactement la même chose ici. Plus vous serez concentré sur votre envie de pêcher les images, plus vous aurez de chances de les voir apparaître. Petit à petit, vous allez voir se dessiner devant vous des images de plus en plus nettes, jusqu'à vous retrouver dans votre nouvelle réalité. Soyez patient et surtout, restez concentré sur les images qui vont apparaître devant vous. Lorsque vous en verrez une, laissez-la défiler jusqu'à la prochaine, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous estimiez que l'image est assez intense pour plonger à l'intérieur.
Contrairement au pêcheur sur son bateau, votre but sera de plonger dans l'image que vous estimerez assez réaliste pour y entrer. Continuez de regarder vos paupières et soyez très attentif à chaque image qui se dessine devant vous. Ne forcez pas. N'imaginez pas. Ne visualisez pas. Regardez simplement vos yeux et laissez venir à vous votre réalité désirée. Que voyez-vous? Que voudriez-vous voir? Dans quel univers allez-vous plonger aujourd'hui? Pour combien de temps? Si vous avez été distrait par quelques de vos pensées, revenez simplement à votre pêche. Les images reviennent, ce n'est pas grave. Pour que cette technique fonctionne, restez concentré sur votre pêche, sur votre vue, les images, et contemplez le moment présent. Jusqu'à vous fondre dans un nouveau décor et y prendre vie. À ce stade, vous pourriez commencer à entendre des sons, voir de nouvelles couleurs, respirer de nouvelles odeurs et voir un paysage tout entier se former devant vous. Ne le perdez pas de vue. Restez concentré sur votre volonté de vous saisir de ce nouveau monde. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous plongiez dans votre réalité désirée. Je vous souhaite un bon voyage.